samedi, il est 10h15, on est le 7 mai. Première semaine de travail terminée. Ça l'a passé comme ça. Oh, comme ça. C'est fou, my God, ça l'a tellement passé vite. C'est vraiment une nouvelle routine. C'est ça. J'ai zéro le temps de filmer dans la semaine, zéro le temps de faire de contenu, zéro le temps de rien, à part mes petites choses importantes, mettons. Mais sinon, ça a super bien été. Livia est très fatiguée, je le sais. En plus, elle a eu un petit rhume cette semaine, moi aussi. Méchant timing, hein? Je suis jamais malade. Livia a jamais été malade, puis il fallait que ça tombe cette semaine. Écoutez, c'est la vie. Donc c'est ça a super bien été, j'aime ça, j'apprends vite, les journées passent super vite, ce que j'adore parce que moi, être à une job puis me tourner les pouces puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre, il n'y a rien que je déteste plus, fait que ça là-dessus je suis bien contente. Excusez, c'est juste le trafic qui est un peu poche là, mais tu sais, quand je vais être vraiment formée à 100%, je vais faire moitié télétravail, moitié bureau, fait que, ben c'est cool. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on reste très tranquillos parce que, comme je vous dis, Livia est fatiguée, la semaine dans le corps. Puis, je veux qu'elle se repose, je veux qu'elle récupère. Demain, par contre, c'est la fête des mamans. Donc, en fait, demain, j'étais censée d'avoir un genre d'événement là, chez ma mère parce qu'on célébrait la fête de mon beau-père et la fête des mères. Mais là, c'est annulé parce que, ben, Livia est malade, etc., etc. Fait que c'est remis à dans 2 semaines. J'étais full déçue parce que, tu sais, j'étais un peu bébé lala. C'est ma première fête des mères. J'ai pas envie d'être seule. J'ai envie de célébrer le tout. Alors, j'ai acheté des billets pour aller au champ de tulipes dans le Vieux-Port à Montréal. Fait que, je sais pas, parce que dans le fond, t'achètes des billets puis ils sont valides tout l'été. Je sais pas si, ben je pense en tout cas, je sais pas si demain on va avoir accès parce que tu sais c'est la fête des mères, il fait full beau d'après moi, il va y avoir full de monde. Mais bon, on va s'essayer. Dans le fond, je vais y aller avec ma soeur parce que j'aimerais ça qu'elle prenne des photos de moi et Livia, bien entendu. Puis j'ai acheté aussi une pastille de bois de chez Emma Keepsake. Donc c'est écrit First Mother's Day, fait que j'aimerais ça prendre des photos avec Livia. Commence à me connaître. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on va avoir accès au site, vu qu'il va y avoir sûrement beaucoup de monde, mais au pire aller, on est dans le Vieux-Port. C'est sûr qu'on va trouver un spot, un beau spot pour prendre des photos, on s'entend. En plus, il annonce full beau, je suis full contente. Fait que j'ai bien hâte, j'espère qu'Olivia va être correcte. Tu sais, je veux dire, elle a 4 dents aussi qui percent en haut, fait que c'est peut-être ça aussi qui la congestionne, là, mais en tout cas, bref, tu sais, elle pète le feu, là, elle mange bien, elle dort bien, elle boit bien, elle est de bonne humeur, elle joue full, elle est full active, tu sais, fait qu'elle est pas à l'article de la mort, là. Mais tu sais, je veux pas faire exprès non plus, là, donc c'est ça. Excusez-moi. Je reçois des messages en même temps, fait que là, c'est comme dur de pas regarder, fait que là, j'ai l'air de regarder partout. Ben, j'ai pas juste l'heure, je regarde partout. Fait que c'est pas mal ça, puis comme j'ai écrit sur Instagram ce matin, vu que j'ai zéro le temps de filmer la semaine, mais que j'ai quand même le goût de vlogger un peu, ben, je me suis dit que je pourrais faire des vlogs week-end. Je suis pas capable de regarder l'objectif sans arrêt, genre, faut que je regarde partout ailleurs. Bon. Fait que c'est ça, je me suis dit que je ferais des vlogs week-end à chaque semaine. Dans le fond, je vais combiner le samedi et le dimanche dans le même vlog. Puis ça sera ça, dans le fond, que je vais poster sur YouTube. Fait que, ben j'espère que ça va vous plaire et je vous amène avec nous dans notre fin de semaine. Ah, j'oubliais, on peut faire une petite mention spéciale et on peut saluer Pierrette, ici, là, qui a décidé de apparaître. Donc... on te salue, ma chum! Yeah! Salut! Là, on est rendu au McDo. On savait ça, voilà. Puis, j'étais allée au Ikea, comme vous avez pu voir. Puis, c'est arrivé toute une péripétie. Je suis chargée de stress, les amis. Mon Dieu. Tout pour me déstresser. Je vais vous compter ça quand je vais vous montrer mes achats du Ikea. Dans le fond, c'était pour mon balcon principalement.
Puis mon balcon dégueulasse que j'ai lavé, là, on se rappelle. Puis là, ben c'est ça. Là, je suis venue au McDo parce que. Parce que j'étais. Oh non, je vais pas dire ça en vlog, c'est un peu. Mais voilà! Et je suis avec un de mes amis. Alors voilà, je vous montre mes échappées. J'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu dimanche, le 8 mai. Bonne fête des mamans! À tous les mamans qui regarderont ce vlog, je vous souhaite une belle journée, même si vous allez le voir à la fin de la journée. Là, il est 9h pile. Puis, comme je vous avais dit, aujourd'hui, je m'en vais au champ de tulipes dans le Vieux-Port. Il fait super beau. Je suis trop contente. Puis là, ben, Olivia a fait dodo. Mais je vais devoir la réveiller vers 9h30. Parce qu'on va aller rejoindre ma soeur. Ma soeur va me friser les cheveux parce que moi, je suis pas capable. Petite mention ici, je ne suis pas capable de me friser les cheveux. Donc, donc c'est elle qui va me friser les cheveux. Mais après ça, bon, excusez. Après ça, on va se diriger dans le Vieux-Port avec son chum. Puis, on va y aller pour 11h. Dans le fond, ça ouvre à 11h. Donc, je pense bien qu'on va pouvoir accéder au site. Là. Tu sais, je veux dire, on va être là pas mal à l'ouverture. Puis, eux autres, ils ont ma soeur, en fait, et son chum, ils ont un souper, je pense. Ou, ouais, un souper. Fait qu'il faut que j'aille les reconduire pas trop tard, là, comme pour 2 heures à quelque part. Donc, mais oui, on va pas rester dans le champ de tulipes pendant 3 heures. Là. Fait que voilà. Après ça, ben, je vais revenir tranquille ici avec Olivia pour faire sa sieste dans son lit. Puis, je vais finir tout mon petit ménage pour la semaine. Faut aussi que j'aille à l'épicerie acheter du lait pour Olivia puis des céréales de bébé. Puis faut que j'arrête aussi à la pharmacie parce que j'ai besoin de un cache-cerne, j'en ai plus. Un crayon à sourcils, j'en ai plus, ben presque. Puis c'est quoi l'autre affaire? Ça j'avais besoin d'une autre affaire à la pharmacie. Je m'en rappelle plus. Mais bon bref, ça va être ça la journée. Je suis censée recevoir ma boîte cookit aujourd'hui, donc je me suis commandé une boîte cookit. En fait, ben je vais vous la montrer, mais je la reçoive. Mais moi, j'ai commandé du cookit là, pendant plus qu'un an à un moment donné. Là, voilà, peut-être 2 ans, j'en commandais à chaque semaine pendant plus d'un an. Puis là, j'avais arrêté, je ne sais pas pour quelle raison, là, mais en tout cas, j'avais arrêté. Mais là, avec le retour au travail, je me suis décidée que... Je sais pas si je vais en commander à chaque semaine, mais au moins une fois par 2 semaines, là, ça va bien m'aider. Puis j'adore les recettes. J'ai une pile de recettes cette grosse là parce que je garde toutes les. J'ai tout le temps gardé toutes les fiches recettes. Puis j'adore vraiment ça. Fait que je suis bien en amour avec le concept. Puis je me suis commandé une coupe d'affaires dans le garde-manger. Fait que je vais vous montrer ça mais que je la reçoive. Ça risque que. Je pense que c'est entre 8 et 5. Je me rappelle pas si j'ai désélectionné entre 8 et 5. Puis je l'ai mis entre 6 et 10 ce soir. Parce que dans le fond, j'étais censée d'aller chez ma mère aujourd'hui. Mais je sais pas, en tout cas, bref, je vais vous la montrer. Donc voilà, je vous amène avec nous dans cette journée, puis je vais vous filmer rendu aux tulipes. Bonne journée! Ben, tu sais, je vais en profiter pour vous montrer mes achats du Ikea hier. Dans le fond, c'était pour mon balcon. Fait que j'ai tout nettoyé mon balcon, j'ai acheté ce genre de plancher-là. Là, il va me manquer une lisière là, de tout le long. Dans le fond, je vais en acheter 2 autres paquets de ça, puis mon ami va tout me... mais coupé pour que ça fasse genre vraiment fit là, avec les colonnes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'il va me manquer une lisière ici. Dans le fond, ça c'est pas terminé. Hein. Mais j'ai acheté ces 2 chaises-là. Je suis vraiment contente. Je trouve ça tellement beau. Fait que j'ai acheté les chaises, les coussins, la petite table, la doudou. Puis, attention, dans le coin, ça ressemble à ça. Je vais peut-être un peu rafraîchir le feuillage qu'il y a là. Puis, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire dans ce coin-là. C'est sûr que je vais acheter une barrière là, pour barrer le balcon pour Olivia. Tu sais, je vais tout le temps être avec elle, mais on prend pas de chance. Puis, de ce coin-là, mais là, j'ai mis ça de même, là, mais c'est vraiment à changement. Dans le fond, j'ai acheté... dans le fond, à partir de... Comme ici, là, jusqu'à là-bas, ça va être comme l'espace à Olivia. Puis là, hier, j'y ai commandé une table d'eau de chez Costco. Fait que là, tu sais... Oui, il y a des gens en dessous et tout.
Mais ils ont un chalet, fait qu'ils sont pas tout le temps là. Fait que je vais la sortir quand il y aura personne en bas. Comme ça, s'il y a de l'eau qui tombe, ben, je sais que je vais pas déranger personne. Fait que j'ai acheté une table d'eau, puis j'aimerais ça y pogner, parce que là, j'en avais un, là, un exerciceur, là, puis je m'en suis débarrassée. J'aurais pas dû, parce que j'aimerais ça lui pogner un exerciceur pour mettre sur le balcon en alternance avec la table d'eau, là, tu sais, je veux dire, si elle utilise pas la table d'eau, je vais mettre l'exerciceur, puis tu sais, elle va pouvoir aussi jouer, mais c'est l'exerciceur, je sais qu'elle va être dedans, puis qu'elle va être en sécurité, si on peut dire, là. Puis quand je suis allée au Walmart, il y avait un exerciceur de skip-up, puis elle avait l'air de vraiment l'aimer, fait que j'aimerais ça m'en trouver un usagé. Fait que ça, ça va être le coin Olivia, donc il est vraiment pas fini, là, comme vous pouvez constater, il est même pas commencé. Sinon, j'ai mon parasol ici. Fait que je suis bien, bien contente. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'il va manquer le coin Olivia, la lisière de plancher ici. Puis j'aimerais ça m'acheter des bacs. Tu sais là, des bacs de même. Là. Bon, ben j'aimerais ça m'acheter deux bacs à mettre sur le bord du balcon. Un ici, puis un ici. Puis je mettrais comme des fausses plantes dedans, parce que moi, je suis pas capable de m'occuper de des vrais. Puis éventuellement, j'aimerais avoir un plant de basilic, puis il va manquer genre les accessoires, les décos puis tout ça, mais tu sais, je peux pas non plus exagérer là, parce qu'Olivia, c'est un bébé, puis elle va tout mettre dans sa bouche. Mais ici aussi, là, ce que j'ai oublié de vous dire, là, entre le plancher qu'il y a là puis celui-là, j'en ai à chaque année, mais je les rafraîchis à chaque année. Dans le fond, j'achète des carrés de comme, de genre fausse verdure, là, si on pourrait dire. Puis je les accroche avec des tie wraps, fait que ça arrive flush. Fait que ça va faire comme une genre de rangée de verre, là. Ça va être beau. Fait que c'est ça. Je suis bien contente. Fait que ça fait changement de mon balcon qui était archi dégueu. Là, je l'ai tout nettoyé, genre tout le blanc en haut ici. J'ai passé la mop dessus. Ma mop est rendue noire, mais bon, c'est un détail. Fait que c'est ça. Changement de plan, on est venu à l'île des Moulins à Terrebonne. Je vais tout vous raconter ça rendu à la maison parce que là, filmer de même devant tout le monde, je suis pas bien à l'aise, pour vous dire. Fait qu'on est revenu à la maison, il est rendu 5h20. Là, je vais vous raconter l'histoire des tulipes. ouais, c'est ça, je suis full déçue. Dans le fond, ben, ça s'est bien rattrapé, là. Mais on était censé d'aller aux tulipes, comme je vous avais dit. Puis, partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, pis tout ça, ça disait qu'il y avait, ben, qu'il y attendait 600 000 tulipes. Tu sais, on est le 8 mai. Ah. T'es où? Ah! Coucou! Wow! Fait que c'est ça, on est le 8 mai, fait que tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 600 000 tulipes. Mais quand même, là, tu sais, vous savez de quoi ça a l'air, les champs de tulipes, là? Bon, fait que bref. On arrive là, puis je vous le dis, s'il y avait 10 tulipes dans tout le champ, là, on est chanceux. Puis au Vieux-Port, ben c'est le double du prix pour rentrer sur le champ, dans le fond. C'est 20$ par billet, on était 3. Puis là, je me suis dit, puis tu sais, c'est valable toute la saison, là, qui dure genre 2-3 semaines, gros top. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est pas vrai que je vais dépenser mon billet, là. Je veux dire, il y a 10 tulipes, c'est vraiment pas, genre, ce que je voulais puis ce que je pensais que ça allait être, là. Fait que, tu sais, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, on reviendra, comme, dans 2 semaines, là, parce que ça, c'est ridicule, absolument, là. Fait que là, j'étais quand même déçue, parce que moi, j'avais une idée, tu sais, j'avais ça dans la tête, finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que là, on est allé manger, puis après ça, ben on a pris des photos comme... Parce que moi, je voulais vraiment des photos avec Livia, là, pour la fête des mères. Puis j'avais ma petite pastille de bois, puis tout ça. Fait que bref, je voulais vraiment. Puis je suis quand même assez bébé lala là-dessus, là, genre... Je suis la personne qui aime les souvenirs, les photos, puis tout, puis tout. Puis je suis quasiment... Je suis fatigante avec ça, mais je m'assume. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que on a pris des photos devant la grande roue dans le Vieux-Port, mais tu sais, ma soeur puis mon beau-frère, ils étaient pressés, puis il faisait froid, puis... C'est là, bon. Fait que les photos étaient absolument hideuses. Puis la robe que je portais, ça me faisait bien, je trouve, tu sais, de... Ça me faisait bien. Mais pour une raison que j'ignore, de côté, avec la petite dans les bras, là, on dirait que j'étais enceinte de triplet, là. Et non, j'exagère pas, là. C'était vraiment, vraiment intense. Fait que je capotais. J'étais genre, je peux pas utiliser ça, c'est juste trop laid, là. Genre, il y a du monde qui vont m'écrire félicitations, là. C'est à ce point-là.
Fait que là, j'étais full déçue parce que là, j'étais allée reporter, j'étais allée reconduire ma soeur et mon beau-frère. J'étais full déçue, genre j'avais legit envie de pleurer, là, c'était à ce point-là. Fait que là, ben, tu sais, il était de bonne heure, il était genre 1h l'après-midi, fait que j'avais encore full de temps devant moi, fait que j'ai appelé mon ami, j'ai dit « Hey, j'ai dit, tu voudrais-tu prendre des photos de moi puis Olivia, pour vrai, da da da? » Tu sais, je pleurais pas, là, mais vous comprenez. Fait que, ben, on s'est rejoint à l'île des Moulins à Terrebonne, puis on est allé là, puis on a pris des photos, puis ça a donné quelque chose de beau, fait que je suis full contente. Et en plus, c'est des photos full naturelles, parce que je suis comme crampée sur les photos, en tout cas, bref. J'aime vraiment le résultat. Olivia! Non, on joue pas avec ça. Olivia! Petite fille! Fait que c'est ça. On est revenu. Olivia, elle a mangé très mal. Elle a quasiment pas mangé. Hop là! Excusez. Elle a quasiment pas mangé, dans le fond, là. Quand je lui donne à manger, elle fait genre. Pfff. Fait que ça revole comme partout. Ça. Mon Dieu, excusez. Ça a revolé comme partout sur mon One Piece. Là. Dans le fond, c'est le One Piece de Will and You. Là. Bonjour! Fait que je suis comme un peu en crise parce que ça tâche. Mais tu sais, je vais le détacher, mais en tout cas. Fait qu'elle a presque pas mangé parce que quand elle mange de même, c'est vraiment pas optimal. Puis là, il va falloir que je donne son bain, puis ça va être le dodo. Puis là, ben, j'attends ma boîte cookie. J'espère vraiment la recevoir. Là. On dirait que je commence à stresser. Fait que, ben, c'est ça. J'espère que vous avez passé une belle journée pour la fête des mères. Il faisait super beau. Il fait encore super beau. C'est vraiment cool. Fait que, j'espère que vous avez toutes passé une belle journée, les femmes! Je viens de recevoir mes boîtes. Commencer à être temps parce qu'il est 10h05. Fait que j'avais hâte que ça rentre. Bon, j'avais dû les ouvrir avant. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est? C'est très lourd. Je suis tellement contente. Ça fait longtemps. Fait que j'ai pris 4 recettes. Ok. Fait que j'ai pris salade César au tofu fumé. Fait que ça a l'air vraiment bon. Quesadillas aux légumes grillés et aux chèvres. J'adore. Boulette de poulet et sauce au yogourt et harissa, mais moi j'aime tellement le couscous. Ouais, c'est ça. Le couscous de même, là, israélien, si je me trompe pas, là, mon Dieu Seigneur. Et le poulet général Tao. Puis là, je me suis acheté une affaire hier au Ikea que j'ai oublié de vous montrer, là. Je l'ai acheté exprès pour mettre mes fiches de recettes. Enfin, c'est ça ici. Je pense que c'est pour des tablettes, là. Mais moi, je me suis dit que ça serait cool, ça. Fait que je vais placer ça après. Puis là, j'ai ça aussi parce que dans le garde-manger, j'ai pris la recette de muffins framboise ricotta citron et chocolat blanc. Fait que voilà. Fait que ça, c'est les sacs que vous connaissez tous déjà. J'ai acheté 2 douzaines d'œufs dans le garde-manger. En fait, j'en avais une gratuite parce que je l'ai pris avec mes points. Fait que 2 douzaines d'œufs. J'ai pris les chocolatines. Oh my god, elles sont tellement bonnes. J'en avais déjà commandé avant. J'ai pris aussi la sauce comme ça là, pour les pâtes bolognaises que j'ai déjà aussi commandé dans le passé. Puis là, quelque chose que je suis bien excitée, c'est les cafés glacés. J'ai hâte de goûter à ça. Il était quand même dispendieux, là. C'était genre 17$ pour les 4, donc j'ai hâte de goûter. Et là-dedans, ben, c'est les viandes, là. Le poulet, haute cuisse,
j'avais vu d'autres choses. Fait que ce pot-là est terminé. Dans celle-là, si je me trompe pas, ben c'est le reste des sacs. Hein. Il me semble que j'ai rien pris d'autre du garde manger. Mon Dieu, Seigneur. Désolée pour le temps d'attente. Alors, ouais, c'est ça, c'est les sacs. Alors, j'ai tellement hâte de cuisiner ces bonnes recettes, ça m'a manqué. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'attendais vraiment de recevoir ma commande pour fermer le vlog. Fait que là, je peux enfin fermer le vlog parce que là, il est 10h10 et je suis très fatiguée. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, la formule des vlogs week-end. Fait que c'est pas mal ça que je vais faire à chaque semaine. Il me semble qu'il y a une drôle de couleur, le poulet, ma foi du Saint-Ciel. Checkez ça. Mais à la caméra, il y a de l'air correct, mais en vrai, il est genre jaune. C'est un peu bizarre. Bon, c'est vrai, ça rend vraiment pas justice. Fait que c'est ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Puis, on se revoit le week-end prochain. Bye!